Pour son premier grand rôle au cinéma, Maxime Gasteuil est hilarant dans une comédie en salle mercredi prochain qui s'inspire de sa propre expérience. Il est ce soir notre invité aux côtés de Bernard Farcy qui joue son beau-père d'un film et tous les deux sont en coulisses avec Bertrand Chamerois. Et non pas Bernard, comme vous avez failli le dire. Maxime qui est encore traumatisé par le tournage et qui me demandait s'il aura le droit de toucher à son assiette lors du dîner. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Ah oui? Oui, bah c'est une très bonne nouvelle. C'est Maxime, super, Bernard, c'est à vous. Bonjour. Salut Maxime. Bonsoir. Bien. Bien. Bonsoir. Ah ben moi je vais bien. Bonsoir. Cher Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Bienvenue. Et merci. Merci à vous. Merci à vous. Parce que ce film, c'est un stage de bien-être d'une heure et demie. Oui. On rit. C'est dans le titre en même temps. Oui, mais on aurait pu aller moins bien après le film. Non, on va mieux. voilà, une heure et demie après. C'est une grande réussite, ça fait un bien fou. Et c'est inspiré de votre propre expérience, ouais, Maxime. C'est une histoire vraie que j'ai vécue il y a quelques années où ma carrière prenait pas, les salles étaient vides, à tel point que je ne... Les salles de spectacle. Ouais, de spectacle, pardon. Je demandais même plus à mon producteur combien il y avait de spectateurs dans la salle. Et un soir, désespéré, je lui ai dit, à combien ce soir? Il m'a dit, dans un monospace, on est complet. Il est drôle. Il est très drôle, mais dans une salle de spectacle, il va y avoir des trous. Et moi, je suis perdu et je viens d'une famille d'artisans très cartésienne. Nous, artistes, on est dans le doute, la remise en question, on ne sait jamais si ce qu'on va créer va rencontrer le succès ou le public. Donc, il me dit, j'ai un pote à moi qui organise des stages de bien-être avec sa femme. Est-ce que ça dit de venir? J'ai aucune envie d'y aller. C'est le mois d'août. Ouais, et puis j'ai grandi dans une famille où on n'a pas ces outils-là pour aller mieux. En fait, le mot burn-out et dépression, c'est des vraies pathologies. Mon père, vous lui dites dépression, il ne comprend pas. Et vous lui dites, j'ai payé 500 euros pour faire un câlin, un sapin, ça va mieux. Il met une tarte à la personne. Donc j'arrive avec énormément de préjugés. Et est-ce que vous étiez quoi. Le connard du groupe, comme vous l'êtes, ouais. Je cite. Hein, ouais. Dans je le suis film. Un vrai connard dans le film, qui s'adoucit hein, avec le temps. Mais non, je suis arrivé plein de préjugés et j'avais aucune envie d'être là. Quoi. Et puis on a rencontré que des barjots, vraiment. C'est vrai, comme très dans le film. Hein, parce que nous, on a voulu faire une comédie, pas une parodie. C'est un film attachant. On rit avec ces gens-là, pas contre eux. Oui. On rit pas d'eux, on rit beaucoup plus de moi, d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait du chili sin carne? Il y avait du chili sin carne. Et c'est à vomir, déjà, quand c'est écrit sur un papier comme ça. Et pour quelqu'un comme moi, je j'ai rien contre les véganes. Chacun vit sa vie comme il l'entend. Mais moi, c'est vrai que là, 14 jours sans viande, ça a été un peu délicat. Voilà. Donc j'ai été chasser le gibier dans la forêt. Hein. Bernard Farcy incarne votre beau-père dans le film. Ouais, est-ce que vous vous êtes inspiré aussi de votre vrai beau-père pour Non, le personnage... ça, c'est fictionné. Mais on rêvait d'avoir Bernard. Et ça, c'est une décision commune d'Edouard Puvieux, le réalisateur, et Benjamin Demey qui coproduit. Et c'est un... enfin, moi, j'ai l'hâte d'être avec vous ici ce soir. Et lui, à côté de moi, c'est quand je même. Je ne suis pas sensible chose. À la calomnie. Vous n'êtes pas commode non plus. Comme beau-père. Ah bah quand même, c'est un drôle de gaillard, je suis obligé de driver un peu quand même. Ça donnerait quoi Bernard Farcy dans un stage de bien-être? Parce que vous ne participez pas au stage dans le film. Je pense que les autres sont dans un mal-être. Le stage de renvoyé, mal-être. Je serais renvoyé. Ce film, c'est aussi un prolongement de votre spectacle, ouais. Qui se termine par un très long sketch sur le développement personnel. Ça va trop loin le bien-être. Même mon pote Thibaut, c'est mon meilleur ami Thibaut. Bon bah Thibaut, il est parti dans le bien-être, mais qui je suis pour le juger? Il fait ce qu'il veut, c'est pas grave, tu vois. Thibaut, il est parti avec les autres, il est monté. Thibaut, il me dit que tout va bien, il parle avec des fougères. J'ai un gros doute, moi. Mais je peux pas lui en vouloir à Thibaut. Thibaut, c'est un mec qui soigne avec des huiles essentielles. Ouais. L'autre, il a une rhinopharyngite, au lieu de prendre du doliprane ou des antibiotiques, il dit non. Moi, je fais un petit bol en étain avec arbraté, menthe poivrée, ravine stara, un peu de gélérée royale, et pff, la maladie, elle est partie. Je dis, mais c'est très bien. Panoramix, mais fais ça là-bas, tu vois, regarde. Certains de vos amis sont vraiment devenus des druides. Ouais, la plupart. Mais même Benjamin Demey qui coproduit le film, c'est un mec qui est très attaché à ça, aux pierres, la spiritualité, la sauge. Moi, je trouve qu'allumer de la sauge chez soi, ça fait qu'un truc, c'est enfumer la baraque et faire puer les plaies et les couettes. Voilà, c'est tout ce à quoi ça sert, vraiment. Les tendances bien-être, c'est l'une de vos sources d'inspiration. Ouais. Hein, sur Instagram, ouais. Vous les publiez, on va... en voir quelques-unes, ou pas, on les voit, non? En tout cas, bon, c'est la connerie humaine, quoi, c'est ouais, ça? Ouais, bah en fait, moi, je viens d'un milieu avec vraiment du bon sens, et je pense, je me moque pas, je trouve qu'on est dans un... on rationalise des trucs, on essaie de se trouver des problèmes que moi, je ne connaissais pas quand je vivais en province. Après, c'est super bien d'en parler, il y a des pathologies compliquées, il y a des gens qui essayent de s'en sortir à travers ça. Mais pour moi, il y a beaucoup de guignols aussi, quoi. Alors, on va regarder... Ça, c'est vendu 28 euros dans les magasins de bien-être. Chez Ikea, c'est 2,90. Ça, c'est un batteur, en fait, c'est un fouet. C'est pour faire une tortilla, une chantilly, un quelques olives. Mais ça n'a rien à voir. Vous nous baisez la gueule, voilà ce que vous faites. La guerre.
Juliette, là. On envoie Michel, là. On se détend bien, hein. Oui, mais deux secondes, j'arrive. Putain. Par contre, je suis désolé, j'ai pas le matos, hein. J'ai pas ton wok, j'ai pris le bras zéro et puis j'ai une passoire parce que j'ai pas le, la coupelle en éteint. Ok, et après c'était ça. Voilà, tous les trucs les plus cons. Il y a juste Émilie et moi, on a une petite réserve sur, sur le premier truc, instrument ouais. en forme d'araignée. Qui, on l'a vu partout, déjà en déco chez les gens. Mais ça fait du bien ça. Ça fait du bien, je suis d'accord. Et vous Bernard, Bernard. C'est quelque chose qui fait produire, qui fait pousser les cheveux. Bon, pour le moment, je suis en entraînement. Mais c'est très efficace, très efficace. Ça marche, hein. Regardez la preuve. Le film est peuplé de personnages improbables, ouais. et il y en a un forcément qu'on adore, c'est Clara. Ouais. Elle est clairvoyante, c'est ainsi qu'elle se présente, et c'est une Zabou Breitman des grands jours. Oui. Myriam, Serge le vieux dégueu. Ah bah si. Qui s'est assis à côté de Pascal, qu'il ne chauffera jamais. Oh, Pascal, ouais. C'est bien. Laisse vivre tes émotions. Luc, s'il te plaît. Luc. César. César est un mystère. Alors, des prophètes, on en a déjà eu souvent hein, dans nos ateliers. Mais alors, un Jésus avec des problèmes d'élocution, jamais. C'est la première fois. C'est rare. Stéphanie. France. Bonjour, Clara. Ah, Nabil. Comment ça va aujourd'hui, Nabil ? Super. Super. Tout va bien. Nickel. En fait, c'est une réunion d'alcoolique anonyme, c'est quand tu pars que tu commences à boire, quoi. En fait, au casting, vous lui avez demandé de celle qui dirait le mieux, Serge le vieux dégueu. Ouais, c'est, non, mais elle est, Zabou, déjà, tout ce casting est dingue. Ouais. Les gens, et je peux en parler en présence de Bernard, Bernard, on lui a envoyé le scénario, il a lu, il a fait un mail de deux pieds de long, avec que des gentillesses sur le scénario, l'envie d'en être. Zabou, pareil, déjà, on est tombé de nos chaises quand on a reçu des merci d'avoir pensé à moi. Elle est venue voir mon spectacle, on a dîné, et elle a dit, je déteste cette personne, et je vais la travailler pendant deux mois. Elle a choisi. C'est vrai qu'elle est ouf, elle est vraiment méchante. Elle est méchante. Et elle a voulu lui donner un côté acide comme ça, mais quand même touchante. Et elle a bossé son costume, ses cheveux. Et c'est une femme hallucinante. Elle connaît le film par cœur, 135 pages. Je ne connais pas un poème de La Fontaine par cœur, d'accord ? Donc quand quelqu'un connaît la réplique de son partenaire, c'est assez hallucinant. C'est, c'était un tournage très rigoureux. Vraiment, hallucinant. Qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario, Bernard ? La bienveillance. La bienveillance. Dans certaines comédies, il y a un peu trop d'acidité ou de jugement des personnages. Là, ce sont tous des gens perchés, mais il y a une tendresse qui se dégage et ils ne se jugent pas tellement entre eux. Ils essayent de cohabiter pour essayer d'être mieux. Ça ne se passe pas si bien que ça. Mais c'est ça qui m'a plu parce que y avait une... c'était humainement juste, si je voulais faire des phrases. Au début du stage, Zabou quand même demande à tout le monde de se juger. En tout cas, elle demande à tous les participants d'écrire une feuille. Un seul mot pour décrire chacun des stagiaires. Sans réfléchir, il faut être franc et écrire le premier mot qui vous vient à l'esprit. Évidemment, j'aimerais bien que vous fassiez cet exercice sur nous. C'est-à-dire que vous disiez quels sont les mots qui viennent à l'esprit. Non, mais moi, il faut que je m'en aille là maintenant. Je vais le laisser faire. Sur Maxime. Je vais le laisser faire. Le premier mot qui vous vient sur Maxime. Sans réfléchir. Générosité. Quoi, c'est interdit? Non, c'est gentil. Non, c'est ça, c'est lui, il est que ça. Il n'est que générosité, que amour. Enfin, je ne veux pas faire de. Mais tout ce qu'il. On vient de se paxer les deux semaines. Hein. Tout ce qu'il donne dans le film, c'est pas joué. C'est vécu, c'est ce qu'il est. Et c'est vrai que c'est drôle et c'est jamais méchant. Un mot sur chacun d'entre nous, Maxime. Moi, j'ai eu la chance de venir ici. Je dirais élégance, je dirais culture. Il y a un truc qui dégage en vous, un truc où on se dit putain, on ne sera jamais à son niveau, ce monsieur-là. Vous êtes très, très belle. Moi, je suis élégante. non, mais arrêtez, il n'y a pas de jugement de valeur. Et Pierre, je lui ai dit là, tout à l'heure, c'est pareil. On va aller se balader. Ouais, on va se balader. Non, mais c'est légende aussi, c'est quelqu'un, quoi. Ah, légende. J'ai eu la chance de participer à son émission avec Louis et c'était un vrai bonheur. Culture, légende, beauté. C'est pas si mal, quand même. Ouais, et générosité. Après, je veux vous sortir des insultes si ça peut vous faire. Oui, oui. Belle bande d'enculés. Alors ça, je retire.